est un bon résultat, 2h11:36. Il faut savoir que New York, c'est le plus grand marathon qui existe au niveau mondial. Ça s'est gagné il y a 15 jours avec 2h10. Donc, bien qu'on s'attendait à un résultat meilleur, étant donné la qualité des pacemakers, les lièvres, et certains athlètes qui avaient un chrono personnel à 2h07, voire 2h08. On regrette que deux, trois athlètes n'ont pas pu rejoindre Alger dans les temps, pour certains faute de visa. Le deuxième, son vol a été annulé. C'est des choses qui arrivent dans toute compétition. La commission médicale de la Fédération algérienne d'athlétisme et la commission algérienne de l'antidopage, on est en train de faire un...